Et puis je vais partager mon écran tout de suite. Laissez-moi savoir quand vous voyez mon écran. C'est bon. C'est bon? Cool. Donc, bienvenue au Oktoberfest PowerShell. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, je pense que ça va bien se passer. Donc, le but de cette présentation, en fait, c'est de vous montrer comment vous pouvez contribuer et rendre à la communauté en utilisant GitHub. Donc, ça, toutes les années, il y a cet événement qui s'appelle Oktoberfest, qui est en fait un événement mondial où, en fait, pendant le mois d'octobre, la communauté essaie de pousser les gens à contribuer et puis d'aider des projets existants ou de créer des projets existants et essayer de régler des problèmes qui existent dans le monde open source. Donc un petit agenda, donc on va faire une rapide introduction sur l'Oktoberfest, on va faire un petit atelier pour vous montrer comment vous pouvez contribuer et puis quel genre de contribution vous pouvez faire. Et puis finalement on aura une session qu'on appelle Hack Time, où on va faire la démo de quelques projets. Donc je sais que par exemple Stéphane il a quelques projets sur lesquels il est en train de travailler dans la communauté, puis moi j'en ai quelques-uns aussi. Et puis si vous voulez aussi présenter votre projet pendant quelques minutes tout à l'heure, vous êtes les bienvenus. Avant qu'on commence, donc j'assume que tout le monde a au moins un compte GitHub. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller sur le site github.com et de créer un compte. Et il y a une deuxième partie de la démo où on va faire des démos en utilisant Visual Studio Code. Donc ça va être l'éditeur de choix qu'on va utiliser pour faire des changements qui sont un peu plus avancés. Donc c'est la même chose ici, je vous invite à aller l'installer. Et puis en parallèle, vous avez aussi besoin de Git. Donc je vous ai mis les liens ici. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je les partage dans le chat, je peux les mettre à la limite. Et bon, j'assume que tout le monde a déjà ça sur sa machine. On va le mettre quand même. Oups. Copier le lien. Ok. Bon, si quelqu'un peut donner les liens, ce serait génial. Sinon, je peux faire ça. Ouais, je suis en train de le faire. Je le fais. Voilà, c'est énorme. Ok, bon, je te laisse faire. Installation de Visual Studio Code et puis de Git. Et puis évidemment, en parallèle, on est aussi sur le chat de notre Slack. Donc le chat s'appelle French. Et puis cette URL ici, vous avez les instructions pour vous enregistrer si vous n'avez pas déjà un compte là-dessus. Donc après, si vous voulez continuer les conversations sur ce sujet, vous êtes les bienvenus. Donc, l'Oktoberfest, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu la célébration en fait de la communauté open source. Donc pendant le mois entier du mois d'octobre. Et puis en fait, c'est votre chance. Donc si vous le faites pas déjà, c'est de contribuer à la communauté, puis par ailleurs apprendre de nouvelles technologies ou apprendre de nouvelles méthodes avec lesquelles vous pouvez travailler. Et puis c'est aussi si j'imagine, comme tout le monde, vous avez sûrement été chercher des choses dans la communauté sur des projets existants, aller copier du code à droite, à gauche à droite. C'est aussi votre opportunité de rendre à la communauté, de faire des contributions, et c'est de give back, de rendre en fait. Et en fait, pendant ce mois, en fait, en participant au Oktoberfest, c'est aussi votre chance de gagner. En fait, ils offrent des t-shirts. Des t-shirts, donc il y a Microsoft qui offre un t-shirt, puis tu as aussi Oktoberfest. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier le lien aussi, puis aller vous montrer à quoi ça Ah, ressemble. c'est bon, je... Ah, Tu l'as aussi, je vais juste aller montrer vite fait quand même sur la page. Ah, en fait, je l'ai déjà ouvert ici. Donc en fait, là, une fois que vous avez votre compte GitHub de créer, la seule chose que vous avez à faire ici pour commencer à participer au Oktoberfest, c'est juste faire register now. En fait, une fois que vous êtes enregistré,
En fait, le site va faire un suivi de tous les changements que vous faites dans GitHub. Donc, par exemple, si moi je vais faire une contribution sur un projet que Stéphane maintient, mes nouveaux changements ou mes demandes de changement vont apparaître dans ce site ici. D'ailleurs, je suis normalement déjà connecté, donc si je fais juste un heure, je pense qu'il devrait trouver mon compte. Est-ce que j'ai mon lien ici, non? Ici, stats. Normalement, je devrais déjà être connecté. Et puis en fait, ici, vous pouvez voir les contributions sur lesquelles j'ai déjà fait des choses. Donc le site va s'occuper de suivre en fait votre progression. Et puis en fait, pour gagner le t-shirt de Hacktoberfest, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire au moins 5 changements dans la communauté. Donc ça peut être vraiment des tout petits changements. Ça, je vais vous le faire voir par la suite. Ça peut être vraiment être des tout petites contributions. Pas besoin de créer des nouvelles fonctionnalités ou des grosses commandes ou des choses très avancées. Puis je vais peut-être montrer aussi l'autre site. Donc, il y a aussi Microsoft que vous voyez ici qui ont rejoint en fait le mouvement du Oktoberfest. Et de leur côté, en fait, c'est un peu la même chose. Tout ce qu'ils vous demandent, c'est de faire une contribution sur un de leurs projets. Je pense que c'est ce lien-là. Donc là, en fait, vous pouvez rechercher un repository, un dépôt en fait qui contient des choses qui vous intéressent. Donc si par exemple je tape PowerShell, donc là il me montre des repos en fait qui contiennent vraiment juste du code PowerShell sur lesquels vous pouvez contribuer. Donc ça peut vraiment être des toutes petites choses. D'ailleurs, ça je vais pas trop en parler, c'est dans ma prochaine slide. Donc ça, j'ai parlé de tout ça. Oui. Le jargon. J'imagine que on a des gens ici qui ont différents niveaux. Donc il y a sûrement des gens qui ont déjà contribué sur des projets. Il y a peut-être des gens pour qui c'est totalement nouveau. Donc on passe vraiment très vite fait au niveau du jargon. Donc en fait la technologie qui permet en fait de faire des contributions en arrière s'appelle Git. C'est une technologie qui a été créée par Linus Torvald en fait, si je me trompe pas. En fait, c'est la personne qui a créé Linux. Et donc, c'est un logiciel de gestion de version décentralisée. Donc, ça permet vraiment de faire le suivi en fait des changements qui existent sur un projet. Ensuite, on a GitHub, qui en fait, c'est juste un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels utilisant le logiciel de gestion de service de gestion de version de Git. En fait, c'est juste un site web sur lequel on peut héberger nos fichiers et puis de faire la gestion des changements. Repository, en fait, qui se dit dépôt en français. Pull request, ça c'est un terme qu'on va voir très souvent. En fait, un pull request, c'est juste une demande de modification. Donc, par exemple, si je reprends le même exemple que j'avais tout à l'heure, si par exemple je veux contribuer au projet de Stéphane, je vais lui faire une demande de pull request. Donc je vais faire mon changement, et puis là je vais lui dire, hey, je te propose ça sur ton nouveau projet. Donc lui il va avoir dans sa liste de pull request le changement que je lui ai proposé, et puis il va voir en détail les changements que j'effectue sur ces fichiers. Les commits, en fait, qui sont juste une espèce de liste de modifications qui ont été apportées à un dépôt. Les issues, ça c'est quelque chose que vous allez voir aussi sur GitHub. Issues, ça peut porter à confusion. En fait, c'est pas forcément des problèmes. Ça peut être aussi des choses à faire ou des features ou des améliorations à faire ou des choses qu'on veut rajouter dans la documentation, des choses comme ça. Un autre terme, c'est le fork, qui est en fait juste une simple copie d'un dépôt. Donc, par exemple, si moi je voudrais contribuer au dépôt de Stéphane, je vais faire une copie de son projet, de son dépôt. Je vais faire mes modifications. Puis là, je vais lui faire une demande de pull request pour pousser mes modifications. On va voir tout ça par la suite. Donc je vais pas trop perdre les gens qui sont un peu débutants là-dedans. Et finalement, on a aussi quelque chose qu'on va voir très souvent, c'est le Markdown. Markdown, c'est juste en fait un langage qui permet d'écrire facilement
En fait, enfin, l'expression est là. Langage de balisage léger offrant une syntaxe facile à lire et à écrire. Ce format peut être par la suite converti en HTML, par exemple. Donc on va le voir aussi. Et finalement, l'éditeur de choix dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Visual Studio Code, qui est gratuit et qui fonctionne sur, qui est cross-platform, en fait, qui fonctionne sur Linux, Mac, Windows. Et puis finalement, s'il y a d'autres termes que vous voudriez définir, je suis pas sûr de nom, mais j'imagine que vous pouvez les mentionner. Et puis on essaiera d'y répondre. Donc, quand on veut participer en fait à des projets, la première question c'est qu'on va se poser, c'est oui, mais moi je connais pas grand-chose, je sais pas quoi donner en fait à ce projet-là. Ou... Donc en fait, les choses que y a vraiment, vous pouvez vraiment contribuer de façon très très simple. Vous pouvez tout simplement, par exemple, améliorer la documentation. Donc ça peut se faire par exemple l'ajout d'exemples, la correction de typos, d'erreurs. Ça peut être ajouter de nouveaux articles, donc ça peut vraiment être, ça peut être la ponctuation, ça peut vraiment être n'importe quoi. Rajouter un point virgule que la personne aurait oublié, rajouter une majuscule, tout simplement. Ou alors ça peut être par exemple des fonctionnalités, donc vous voulez rajouter une nouvelle fonction à un module, vous voulez rajouter des nouveaux paramètres à une fonction, améliorer l'aide du code, donc ça peut vraiment être très très vaste. Et puis finalement, si vous voulez rajouter des tests, si vous voulez rajouter des intégrations avec d'autres systèmes, donc vraiment les possibilités sont infinies. Donc ça peut vraiment être très très simple aussi. Ouais. Donc je vais vous faire une démo super facile, juste pour vous montrer comment vous pouvez commencer. On va aller sur le repo que j'ai déjà ouvert ici, que je vais vous donner le lien dans le chat, peut-être Stéphane l'a déjà donné. Pas encore, mais bon, désolé pour la taille. Et donc en fait, là, j'ai créé un repo où il n'y a rien dedans. Et c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez commencer à contribuer. Donc, imaginons que vous arrivez sur ce repo-là, sur ce dépôt. Et puis là, en fait, par défaut, vous allez voir la page du README qui va s'afficher automatiquement. Donc, vous avez vu qu'elle est générée automatiquement en HTML. Et en fait, si on regarde l'extension du fichier, on voit que c'est un fichier Markdown, MD. Et en fait, une contribution tout simple que vous pouvez faire, c'est, ah ben, dans le README, j'aimerais bien rajouter une phrase. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici sur, il y a un tout petit icône en haut à droite, qui permet d'éditer la page. Et en fait, ce qui va arriver en arrière, bon, ça le fait pas exactement sur ma machine, mais parce que j'ai des droits sur French PowerShell Visual Group, mais ce qui va se passer en arrière, c'est que le repository, enfin le dépôt, va être copié sous votre compte en arrière. Et en fait, ça va créer une copie du repo. Puis là, en fait, vous travaillez sur votre propre copie. Puis une fois que vous avez terminé votre changement, il va vous demander de faire un pull request. Donc en fait, vous pouvez vous faire vos tests sur ce repo-là. Mais moi, ce que je vais faire, je vais le tester vite fait sur un repo où j'ai pas les droits. Donc par exemple, sur le repo de Stéphane. Donc, imaginons que je veux modifier son README. Pourquoi je vois pas le lien? En fait, il faut que je clique directement sur le fichier, je pense. README. Et ici, j'ai le bouton Edit. Puis, vous allez voir que ici, en fait, ce qu'il va vous dire, c'est qu'il va créer un fork du projet, donc une copie de son repo, sous mon compte. Donc là, imaginons, je veux faire une modification. Je vais mettre n'importe quoi, mais je lui dirai de pas l'accepter, évidemment. Donc là, en fait, j'ai fait une modification au fichier. Et puis là, en fait, je dois tout simplement lui dire, oh, qu'est-ce que j'ai updaté? Puis là, en fait, je vais juste lui dire, do not accept this request. Non, en fait, là, je propose un changement au fichier. Et en fait, là, ça va automatiquement. Donc là, ça, en fait, ça fait une copie sur mon compte. J'ai sauvegardé mon changement. Et la dernière chose qui me reste à faire, c'est créer un pull request, donc une demande de changement. Donc en fait, ce qu'il va faire en arrière, c'est qu'il va comparer mon code avec le code que Stéphane il a dans son repository ici, PSHTML.
Donc si je fais un créer pull request, et en fait là je peux lui dire qu'est-ce qu'il y a dans mon pull request. En fait par défaut il a été chercher la description que je lui avais mis. Ça je pense c'est quelque chose que Stéphane a dû mettre en place par défaut. Donc Ouais, c'est sûrement c'est un un template en template, fait, donc c'est ça ouais. que tu dois suivre, quoi. Donc par défaut quand vous faites un, je vais juste l'enlever juste pour pas perdre les gens. Mais en fait, par défaut, il va juste aller chercher tous les commentaires de tous les changements que vous avez faits, puis il va les mettre à la ligne ici. Puis là, je vais faire un créer un pull request. Donc là, je vais faire une demande de changement. Puis en fait, quand je vais sur son repository à lui, là, PSHTML, dans la liste des pull requests, on va voir la liste de tous les pull requests qui existent. Puis là, on voit les miens. Update README. Puis en fait, quand je vais dessus, on peut voir le changement unique que j'ai fait, donc il y en a un seul. Et puis on peut voir le changement au niveau des fichiers qui ont été changés. Donc là on voit que j'ai rajouté juste une ligne ici. Et puis en fait par la suite, ce qui se passe c'est que les gens qui ont les droits sur ce repo, sur ce dépôt ici, donc Stéphane en l'occurrence, ou peut-être d'autres personnes ont les droits, ils peuvent venir ici. Regardez qu'est-ce que j'ai fait et puis l'approuver ou le refuser. Et puis une fois que c'est approuvé, mon code va être mergé, en fait il va être fusionné en fait avec le code de Stéphane. Et puis ça va apparaître finalement dans le code que tout le monde va voir, dans la branche master. Je vais pas parler de branche parce que je veux pas rentrer trop loin dans les concepts de Git, mais c'est en gros c'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'autre chose que je vais faire, donc là je vais annuler le changement que je voulais faire tout à l'heure sur Oktoberfest. Donc moi je vous invite à, si vous voulez commencer à faire des changements sur Oktoberfest, vous êtes les bienvenus, vous pouvez écrire n'importe quoi, parce que c'est vraiment juste un repo pour tester. Et donc pour revenir à ma présentation, donc la prochaine démo que je vais faire, Tu peux peut-être juste leur montrer aussi rapidement qu'ils peuvent créer également un nouveau fichier en fait directement sur l'interface web. ouais, donc ici aussi vous avez l'option de créer aussi un nouveau fichier directement, qui est juste ici, créer un nouveau fichier, ou uploader, tiens, j'avais pas même pas vu qu'elle était là avant, cette option-là. Voilà. Donc créer un nouveau fichier, et puis en fait là vous avez juste à mettre le nom du fichier, puis si vous voulez créer aussi un dossier, vous pouvez aussi le faire. Donc imaginons je veux créer un fichier de test, je peux créer un dossier de test. Et puis là, je vais juste l'appeler Oktoberfest 2018.test.ps1. Et puis là, je mettrai par exemple mon test. Et un petit tip encore au passage, dans le nom du fichier, on peut par exemple mettre tout un chemin, par exemple test slash sous-dossier slash nom du fichier, et il va automatiquement créer les deux sous-répertoires en fait. Ouais, C'est en fait, ça? c'est comme ça que je l'ai fait. Je l'ai peut-être pas décrit, mais en fait, là, par défaut, il montrait cette case ici, mais en fait, j'ai écrit test, Ah, slash, puis en fait, quand on met un d'accord, slash, il va ouais, créer un t'as envie de dossier. rentrer, ouais. On met le nom du fichier par la suite. Puis en fait, ce que j'ai à faire, c'est créer. Mais là, comme j'ai les droits, il va le faire directement, en fait. Donc, dans votre cas, en fait, si vous essayez de faire ça, il va vous demander de créer le pull request, comme je l'ai fait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant, avant que j'aille trop loin? En fait, il y en avait une où LX le chat demandait c'est quoi un pool exactement. Un Donc en pull fait, moi, request? non, c'est pas un pool request, un pool justement, parce que donc en fait, enfin, j'ai répondu de manière écrite qu'un pool c'est l'action de tirer en fait les changements qui sont stockés sur le repository. Par exemple sur GitHub, de les rapatrier sur ta machine en local. Tu vois, donc en fait finalement, quand tu travailles localement, tu fais pas quelques modifications de temps en temps, surtout si c'est un gros projet, il faut que tu fasses un git pull pour récupérer les derniers changements en fait effectués. Est-ce que c'est plus clair, hein? Elix le chat. Bah, je te laisse répondre dans le chat s'il a d'autres questions. Donc c'est la prochaine étape que je vais faire, c'est par exemple si vous voulez faire des choses un peu plus avancées,
Donc, imaginons que vous voulez en fait, éditer tout votre code ou rajouter des fichiers, modifier, faire des modifications plus avancées. Ce qu'on peut faire, c'est copier, donc comme Stéphane est en train de décrire. Si on pourrait avoir cette copie de ce dépôt ici, mais sur ma machine localement. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est, dans mon cas, serait je ferais un fork, donc une copie. Je vais la mettre sous mon compte à moi. Donc là, il va créer une copie de ce repository-là. Puis il va la mettre directement sous mon compte à moi, LazyWinAdmin. Donc il termine ça. Donc là, c'est fait. Tu vois, et en fait, en dessous, on voit la référence d'où vient la vraie source de ce repository-là. Et en fait, par la suite, donc là, tout mon code est encore en ligne, sous mon compte, sur GitHub. Et en fait, pour avoir une copie locale, tout ce que j'ai à faire, c'est à copier l'URL qui est ici. Donc je clique sur le bouton clone. Et en fait, je prends l'URL qui est ici. Donc je vais juste copier ça. Et la seule commande git qu'on va faire ici ensemble, parce que je ne veux pas rentrer dans le et parler de git, donc on fera sûrement une autre présentation à un moment donné. Donc la seule chose que vous avez à faire ici, c'est juste de faire un git clone et de mettre l'URL que vous venez juste de copier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va télécharger tout ce dépôt ici, localement sur ma machine. On fait ça. Voilà. Et est-ce que je l'ai déjà ouvert? Non, ça c'est un autre projet. Tac. Donc, tout ce que je vais faire, c'est juste. En fait, par défaut, il va créer un dossier qui contient le nom qui est ici. Donc là, vous avez un dossier qui s'appelle Oktoberfest 2018. Et puis en passant juste un petit hack, si vous voulez savoir, là, vous pouvez aussi changer le nom du dossier qu'il va créer en le mettant ici par la suite. Vous pourrez faire hackfx 2018. Là, ça va créer un dossier qui s'appelle hackfx 2018. Donc, bref, c'était pour une parenthèse. Donc là, si je veux ouvrir Visual Studio Code sur le sur ce projet-là. Juste à faire code avec le nom du dossier. Mon ordi est pas très très rapide. On va lui donner 1 minute. Et voilà. Donc là c'est ouvert. Et puis en fait on voit tous les fichiers qui étaient disponibles sur le repository en ligne. Sur le dépôt. Excusez-moi pour les mots. Et puis en fait on pourrait faire nos changements ici directement. Donc là, on pourrait mettre n'importe quoi, get process, je sais pas, Chrome, puis on pourrait installer des modules, on peut faire, enfin, j'édite mon code en fait. Module, on veut installer pester, voilà, on fait save là-dessus. Et en fait, ce qui va se passer, si Git veut bien se réveiller. Ma machine est un petit peu lent ces temps-ci. En fait, ce qui va se passer, c'est que Git va détecter le changement qui est entre ma copie locale et celle en ligne qui est sur mon profil. Donc ici, si je vais dans la partie source control, on va voir les changements qui vont apparaître. Je viens juste d'installer la dernière version de Visual Studio Code, peut-être c'est pour ça. Installer des choses 5 minutes avant la démo, c'est très intelligent. Désolé. En attendant, je vais regarder s'il y a des questions. Attends, je vais remonter un peu plus haut. On va regarder en arrière s'il a fait mon changement. Est-ce que j'ai sauvegardé le fichier? Oui. En attendant qu'il fasse ça, je vais regarder s'il y a des questions auxquelles Stéphane n'aurait pas répondu. Ouais, on est juste en train de se poser la question sur la question originale de LX le chat, c'est de comment on tient son fork à jour en fait, finalement. Parce que donc lui, il expliquait qu'il n'arrêtait pas de delete son fork et il refait un autre fork à chaque fois que moi je faisais des grosses modifs en fait. Ok. Ok, ouais, c'est un peu plus avancé là, mais Ah ouais.
Tu peux, il me semble que tu peux faire un git pull upstream ou quelque chose comme ça, en fait, qui Un spécifie en git fait. fetch, apparemment ce serait git fetch upstream, mais Ah, ok, d'accord. je voulais pas trop m'avancer, je voulais qu'il essaye d'abord, mais. D'accord. Je sais pas ce que mon repo fait. Mais je vais vous montrer, je suis sur un autre projet malheureusement, je peux pas vous montrer le changement. Mais vous voyez, ici par exemple, j'avais fait des. J'ai un. Ça va se montrer sur cette forme ici en fait. Donc quand vous faites un changement sur vos fichiers, il va vous montrer ici en fait les fichiers qui ont été changés. Donc par exemple ici, j'avais rajouté des choses peut-être. Les dieux de la dé... les dieux de la démo sont pas avec moi. Ok, je vais tout fermer. Mais en gros, en bref, ce qui va se passer, c'est que on va fermer tout ça. Et on va recliquer là-dessus. Not responsive. Ok, tu sais quoi, je vais redémarrer, VS Code. Puis on va retester. Donc juste pour rebondir entre-temps sur la question en fait originale de LX le chat, c'est comment on tient son fork à jour effectivement. Il faut passer dans la ligne de commande, il faut faire un git fetch upstream. Ouais. Alors en fait, attends, je copie-coller, mais git, tout est en blanc, git fetch upstream. Et ça, du coup, ça va récupérer les dernières modifications, mais aussi, par exemple, des branches que vous n'avez pas encore localement. J'ai vu là dans le screenshot qu'il a envoyé. Ok, Voilà. Et donc, si Olivier peut partager aussi entre-temps comment il le fait par GitHub, ça serait intéressant aussi. ok, Merci, ben, Olivier. parfait. Moi, entre-temps, il y a mon code est apparu finalement. Ça a mis un peu de temps. Mais en gros, ça, donc vous voyez, le changement que j'avais fait sur le fichier qui s'appelle Oktoberfest 2018.test. On voit les lignes que j'ai rajoutées ici. Donc la seule chose que j'ai à faire, on voit que ça apparaît sous les changements. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est à dire, ok, je veux prendre ce fichier-là et pousser les changements sur mon repository parent. Putain, les dieux sont vraiment pas avec moi aujourd'hui. Y a rien qui marche. Bon. Tu veux que je le fasse? Ouais, peut-être test sur ta machine parce que là. Tu veux que je prenne le contrôle ou? Ouais, vas-y. Ok. Bon, freestyle. Tu peux juste refaire un git clone du même repo, puis faire une modification. Oh, monsieur a mis le thème de PowerShell ISE. Ouais, je en noir, j'arrive pas. Je vois rien en fait. Repository, ouais. Ou tu peux aller sur celui, ouais, faut Voilà. cliquer là-dessus, mais clique sur la source en haut, ouais, la source Ici? en dessous, Ah voilà. Puis là, ouais. fais un fork de ça. Donc fais un fork, non, pas celui-là, fais un fork en fait sur Ah ouais, ton pardon, compte. excuse-moi. Ah ouais. Donc là, ça va créer en fait la copie sous le compte de Stéphane. Voilà. Vous voyez, donc là on est chez moi Voilà. et donc la source c'est frpsuget machin. Donc là je copie-colle le lien là. Ouais. Tu auras un PowerShell Donc ou tu finalement, peux le faire il faut directement, ouais. je, ouais, non, finalement je vais ouvrir un PowerShell. Donc là j'ai encore des tests pasteurs. Donc c'est des.
Donc voilà, donc là on est dans le repo. Et donc Tu peux faire une modification n'importe laquelle. Sauvegarde ça, et puis là on va voir. Donc on va voir sous sa table en fait de source control, on va voir qu'il détecte des changements. Donc là il a des il a changements. détecté. Ouais. Puis en fait tout ce qu'il a à faire c'est à cliquer sur le plus en fait sur le fichier. Ici. Ouais. Et puis de mettre un message en haut, de dire qu'est-ce que tu veux. Donc ici, donc en fait, en bas d'abord, ça va lister tous les changements qui ont été faits, enfin tous les fichiers qui ont été changés. Exact. Une fois qu'on clique sur le plus, ils vont dire bah voilà, ces changements-là, je veux les sauvegarder en faisant un commit. Ça s'appelle faire un commit, ce qu'on va faire. Et donc là, il faut toujours mettre un message. Donc changement. Et donc là, on voit aussi le avant, le après. Donc en rouge, c'est des lignes qui n'existaient pas avant. À gauche, c'était avant. À droite, c'est maintenant. Et donc on voit vert c'est rajout et rouge c'est suppression, ça c'est logique. Voilà, changement ici. Et puis là on peut Commit. faire commit. Donc en fait, commit, ça va pas vraiment pousser encore pour l'instant. Donc là, ça va juste créer le changement en tant que tel. Voilà. Et puis en fait, pour le pousser, en fait, ce qu'on peut faire, c'est aller tout. En fait, tu peux aller tout en bas au lieu de cliquer là-dessus. Tu peux aller tout en bas là, puis juste à droite de master, t'as un bouton de refresh, c'est ça? Tu cliques là-dessus. Ouais, c'est le même ici en fait. Ah, d'accord. Je savais pas J'étais celui en toujours bas. sur celui en bas. Ah ouais, bah voilà, push and pull en plus, je savais pas que ça faisait ça. Ouais. Voilà. Tu fais OK. Puis en fait, ça va pousser le changement qu'il a fait localement sur son compte GitHub. Voilà. Donc là, ouais, je suis chez moi. Et donc là, si je fais Refresh, ouais. un F5. Qu'est-ce que j'ai modifié en fait? Dans test, on le voit ici, hein, mon changement. Tu vas dans test, le dossier test. Ah ouais. Voilà. Oups, allez, c'est là. Et puis en fait, si par exemple Stéphane voudrait pousser son code maintenant dans le repo principal du French PowerShell User Group, là, il faudrait qu'il crée un pull request. Voilà, et donc pour. Tu veux un Bah, pull request? généralement en fait bah, non parce que j'ai poussé moi j'ai les droits en fait il est déjà sur master en fait ah non bah là new pull request pardon Ouais, parce que excuse-moi là il est sur ton compte à toi et maintenant on voudrait le voilà pousser dans le compte que tout le monde utilise. voilà Puis là il peut et faire donc un là en pull fait ce qu'il request. faut regarder c'est que souvent et c'est pour ça il faudra regarder aussi souvent dans les projets en fait il y a des ce qu'on appelle un contributing.md. Hein, et donc c'est souvent un fichier qui est situé ici au début, mais qui est donc aussi linké dans le README qu'on voit tout de suite au début. Et en fait, il va dire en fait comment il faut se comporter quand on fait des contributions. Donc il faut rajouter des commentaires dans son code, il faut respecter cette syntaxe-là. Et souvent aussi, ils disent qu'il faut pousser vers la branche quelque chose. Et donc ici. Bon, ici, on n'en a qu'une, mais ici, en théorie, on peut avoir une petite liste de choses. Et ce qu'on voit très, très souvent, c'est dev ici. Et donc, quand c'est marqué, il faut pousser vers la branche dev. Il faut tout simplement cliquer ici et choisir dev. Voilà. Mais donc là, on va faire master, master. Donc, en gros, c'est production, production. Create pull request. Mon changement. Mon pierre. Voilà. Donc voilà, là maintenant on a le pull request qui est listé. Donc si tu veux, je suis directement sur la table pull request. Là on voit deux changements. Tu vois, il y a aussi Laurent qui a fait une proposition de changement. Donc en fait, là il faut quelqu'un qui maintient ce repository-là, qui a les droits, ce dépôt-là, puisse approuver et faire la fusion en fait.
Donc en fait, moi j'ai les droits sur ce repo apparemment. Ouais. Ah non. Ah, peut-être pas, Non. ouais. Mais moi je peux faire tout simplement un merge après. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est donc pour les personnes qui maintiennent un repository, qu'on arrive sur le pull request. Donc là, on a finalement le commentaire de ce qui a été modifié. On voit ici le nombre de commits. Hein, il en a fait un, qu'il a appelé update README. Et sur ce qui est vachement intéressant, c'est les file change. Et moi, finalement, je regarde que ça quand j'ai un pull request. Et donc là, c'est comme dans Visual Studio Code, on voit rouge et vert. Vert, c'est ce qu'on a rajouté, et rouge, c'est ce qui a été delete. Et donc là, on voit, bah, il a rajouté un espace et cette phrase-là. Et donc, voilà, on peut aussi faire split ou unified. Et donc, en fait, ça permet d'avoir soit le avant-après séparé, ou alors tout dans le même fichier, quoi. Et Ça. puis ce qui est cool aussi, c'est qu'on dans la table conversation, on peut parler en fait. Voilà. Si on n'est pas d'accord ou si on pense qu'il y a un autre changement à faire, on peut le demander ici. C'est ça. Et je pense que ce serait intéressant qu'on switch chez toi de nouveau parce que toi, tu peux par exemple demander des modifications aussi sur des fichiers. Bah toi, tu peux le demander aussi. Tu peux juste laisser un Ouais, commentaire à mais. Laurent, puis. Ouais, bon. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas accès au. Non, je peux pas en fait. Par exemple, Ok. chez moi. Là, par exemple, j'ai un truc ici. Donc ça, c'est un vrai pull request en fait. Hein. File change ici. Et moi, je peux aller dans. Comment on fait de nouveau? Review change. Je peux par exemple request change. Là, je peux lui dire, écoute, rajoute ça ou ça. Mais il y a aussi. Voilà, ici. Vous voyez un petit plus. Et moi, je peux dire, ben voilà, là. Ne supprime pas cette ligne, par exemple, quoi. Et donc lui il va recevoir un commentaire, ne supprime pas cette ligne, il va faire la modification et automatiquement le pull request va se updater en fait finalement. Donc ça permet de communiquer directement sur les lignes ouais, du fichier quoi. Cool. Voilà. Et là, en fait, on est à la prochaine étape, en fait, qui est sur les petites démos de projet, en fait, sur les choses sur lesquelles on peut contribuer. Tu peux garder ton partage si tu veux pour l'instant. Donc, j'ai donné le premier lien, en fait, avant qu'on parle des projets. C'est qu'il y a ce lien ici. Désolé pour la taille encore. Mais si tu peux ouvrir ça sur la page. En fait, ça permet de trouver les projets de type PowerShell qui ont des issues avec le tag Oktoberfest. C'est le. Donc ça vous permet en fait d'identifier si il y a des projets sur lesquels vous pouvez contribuer. Donc peut-être montrer sur un de tes projets, Stéphane, où sont les issues. Comment Je ça va clique sur le l'organiser? premier, quoi. Ouais, c'est parfait. Donc en fait, finalement, quand on est sur un projet, n'importe quel repo, on arrive sur cette page-là. Donc ça, c'est le fichier README. Ça explique comment ça marche. Là, on a les fichiers. Tout ça, vous connaissez. Donc en haut, là, on a pas mal de petites tables là. Et celui-là qui nous intéresse maintenant, c'est issue. En fait, autrement, on pourrait l'appeler ticket. Finalement, c'est juste un truc de gestion de tickets. Et j'imagine qu'à l'origine, c'était vraiment pour parce qu'ils avaient des problèmes et voilà, ils avaient créé, c'était des issues et je pensais pas qu'ils allaient l'utiliser à cette, enfin, autant quoi. Donc voilà, donc là on est sur les issues et donc on a plusieurs choses. Donc par exemple, si je vais dans celui-là, là on a par exemple un truc qui pour update les documents. Donc voilà, moi j'ai on travaille sur Host File Management essentiellement avec LX le chat qui voilà donc on a fait pas mal de modifications et on réalise qu'il faut aussi faire des modifications sur la documentation et sur les fichiers qui aident aussi les utilisateurs à utiliser. Donc le README aussi il va falloir le changer ici parce qu'à la base il est écrit notamment uniquement avec des classes et en fait on a rajouté des nouvelles fonctions et l'idée c'est d'utiliser que les fonctions et pas les calls aux classes directement, donc il va falloir changer tout ça. Et donc tout ça finalement c'est du travail que je liste là. J'essaye de le
d'y mettre des labels. Donc voilà, pour ceux qui ont des repositories, donc vous pouvez tout simplement créer un issue ici, là, en cliquant issue, et on peut rajouter des labels tout simplement en cliquant là, et voilà, on clique, après on clique de côté, et on a un label. Voilà, pour répondre à la question d'Arnaud, qu'il avait posé plus tôt. Et donc voilà, donc moi sur ce repository là, j'ai que 4 tickets. Celui-là, il est un peu particulier parce que j'ai fait une liste de toutes les choses qu'il y avait à faire. Et vous remarquez que en fait, si vous rajoutez en markdown des checkbox, en fait, ce qu'il va faire automatiquement, vous voyez, donc là on a 8 sur 18. Donc en fait, moi j'ai 18 checkbox. Là, tout ça. Et une fois qu'ils seront tous cochés, donc là par exemple j'en coche un autre juste pour le délire, et là on voit toujours 8. C'est bien. Là on voit 9. Vous voyez, bon, je vais peut-être le décommenter. C'est celui-là. Voilà, et ça permet de suivre comme ça. Donc vous, en fait, si vous êtes à la recherche maintenant vous êtes motivé, vous voulez participer à quelque chose, donc vous pouvez utiliser le lien que FX nous a envoyé dans le chat pour trouver en fait des potentielles choses à faire. Donc ça part du principe que les mainteneurs du repository ont créé des labels, hein, bien entendu. S'il n'y a pas de label, vous les trouverez pas. Donc après, si vous connaissez des gens qui disent voilà, moi j'ai des choses à faire sur mon repo, vous pouvez y aller directement aussi. Là, c'est juste pour la recherche. Et donc voilà, donc celui-là ici, il y a plusieurs choses à faire. Tous les checkbox, là, c'est, je crois que c'est tous LX le chat qui les a fait. Et voilà, au final, il faut juste cocher les trucs là. Et c'est fait, quoi. Il y a une petite subtilité aussi, par exemple, par rapport au PR, au pull request que je voulais rajouter. C'est ici, quand on fait un pull request. C'est bien, surtout si on par exemple on rajoute une feature ou on corrige un bug qui a été spécifié dans un issue. Les issues là maintenant. Qui était spécifié dans une issue, c'est toujours bien de rajouter en fait avec un hashtag le chiffre du issue pour le référencer. Donc là, en fait, je me suis un peu perdu, mais donc. Par exemple, si on va dans les close, on voit par exemple, voilà. Ici, on a. Ouais, bon. Mauvais exemple, forcément. Bon, rajoutez dans votre commentaire le hashtag suivi du numéro du l'issue. Et en fait, souvent, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous faites déjà le hashtag, il va vous proposer automatiquement tous ceux qui sont les issues qui font partie du repository, quoi, qui sont ouverts. Et encore une autre subtilité, c'est que vous pouvez écrire resolves, et par exemple 15. Donc, automatiquement, quand on va fermer, il va automatiquement fermer le issue aussi par après, quoi. Si c'est un pull request qui résout, par exemple, l'issue numéro 15, Et ce qui est cool aussi, c'est qu'ils sont cross-référencés aussi. Donc quand vous allez quoi. retourner dans les issues, vous allez voir le pull request qui est référencé. Donc ça, c'est C'est super ça. cool. Et donc, en fait, peut-être que j'en ai un là. Non, j'en ai pas. Ok, je pense que ça fait. Peut-être tu peux peut-être parler vite fait de, tu sais, des projets sur lesquels tu travailles, peut-être leur en parler vite Ouais, fait. je vais faire vite fait. Donc moi j'en ai quelques-uns. Je vais peut-être commencer par celui-là parce que vous l'avez déjà vu. Donc ça c'est un projet qui était un peu mort. Ceux qui étaient au PowerShell Saturday, vous en avez peut-être entendu parler. Pour ceux qui sont venus voir ma présentation sur les classes, où j'expliquais que ça c'était vraiment mon premier projet entièrement avec les classes. Et donc voilà, j'ai vraiment écrit ce module juste pour écrire quelque chose avec des classes. Donc, vous voyez, c'est vraiment classe-centrique. Il a pris un petit coup de jeune là avec le Hacktoberfest et surtout avec un premier pull request de Alix le chat, le fameux.
Et c'est un repository. En fait, c'est un projet qui permet de gérer en fait les fichiers host de machines, donc localement, mais aussi en remote. Et en fait, la particularité de ce module, c'est que en fait, il retourne des objets. J'ai pas d'exemple forcément, mais Ah, si, en fait, je vais vous montrer sur mon site. Voilà, donc ça c'est par exemple un fichier host. Et donc en fait il retourne un objet qu'on peut facilement ouais, filtrer, quoi, utiliser des foreach, des where, genre de choses, quoi. Et donc moi je trouve personnellement que c'est pas mal parce que l'avantage c'est qu'on peut le faire localement mais aussi en remote. Donc on peut vraiment voir ce qu'il y a dans un fichier, le travailler dynamiquement dans notre prompt ou par script, et après réappliquer les changements. Et au fur et à mesure que j'écris ce module, en fait, j'ai rajouté des fonctionnalités comme la création d'un fichier de backup avant de faire des modifications. Donc on peut choisir où on veut sauvegarder le fichier. Donc si on dit rien, il va le sauvegarder dans le driver etc, avec juste un nouveau nom. Ou alors on peut spécifier un autre chemin ailleurs sur un share si c'est quelque chose dont on a besoin de faire, quoi. Donc ça c'est le premier projet. On n'a pas beaucoup d'issues là-dessus, tout simplement parce qu'on a bien avancé. On a encore pas mal de docs à faire, c'est ce que je disais. Et puis là, par exemple, j'ai un petit bug qui, je crois, qui s'est ouais, je crois que ça s'est résolu peut-être tout seul parce qu'il n'a pas reparlé. Et voilà. Donc c'est seulement de la doc, et après je voudrais le mettre sur le gallery parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un intérêt en fait pour ce module. Alors que pour moi c'était juste un coup d'essai. Après j'en ai un autre ici, le PS Class Util, celui-là il est pas mal. En fait, on va plutôt parler de celui-là en dernier. Je crois que le plus intéressant pour vous, ce serait probablement le PS HTML, qui a eu un regain de popularité. Donc petite chose aussi au passage, si un module qui vous plaît, vous pouvez ici en haut cliquer sur l'étoile. Ça nous aide en fait à avoir plus de visibilité au sein de la communauté en général. Et ça peut attirer aussi l'œil de d'autres développeurs qui sont très actifs sur GitHub, de venir voir, ils sont curieux, ah ouais, ils font ça, et peut-être même qui s'investissent dans le projet, quoi. Donc PSHTML, c'est un module que j'ai écrit pour générer des pages web, mais avec du PowerShell. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, ça respecte vraiment la structure d'une page HTML, et au final on peut par exemple créer ce genre de choses comme ici où voilà, j'intègre ici par exemple des foreach, je cherche des trucs directement sur le net et tout ça. J'ai un tout petit exemple que j'avais ouvert là, ici. Là par exemple j'ai ma page HTML, là j'ai un P, donc là j'ai un forEach sur langage. C'est finalement ça. Et là, j'ai un select tag parce que bon, select, c'est un nom protégé de PowerShell. Et voilà, si j'exécute ça, voilà, j'ai une petite page comme ça avec des drop-down, avec un bouton et tout. Bon, il n'y a pas de CSS, mais voilà, ça permet de faire ça. Et donc, il a eu beaucoup de visibilité parce que des mecs chez Microsoft, ils l'ont trouvé, ils l'ont retweeté. Et donc il y a plein de personnes qui ont commencé à travailler avec, y compris des personnes de chez nous. Et donc voilà, donc là il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et je vous invite à regarder les issues ici. Donc pour trouver lesquelles qui pourraient être sympas, c'est bah, regarder Oktoberfest et Good First Issue. Généralement, moi je le mets pas celui-là quand c'est un peu techniquement un peu complexe. Et je pense que là, par exemple, j'en ai deux qui sont assez sympas, où j'aimerais par exemple créer des petits snippets VS Code, hein, qui sont assez faciles à faire en fait.
J'explique. Je rajouterai lien, mais en fait, je pense avoir mis lien, mais il y a un lien vers une documentation de chez Microsoft qui explique finalement comment faire un snippet. Et donc, c'est rien de compliqué, c'est un fichier JSON, qu'il faut remplir, il faut juste copier-coller le texte qu'on veut avoir. Et donc, voilà, je me dis, je vais créer un issue, ça fait des pull requests gratuits, et à la fin, on a un t-shirt qui, voilà, je trouve que c'est quand même cool. Donc voilà. Donc ouais, je vous invite à le regarder. Le README, il est assez complet aussi. Inspirez-vous-en et faites des petits projets. Et donc sur celui-là aussi, j'ai un autre issue assez intéressant. C'est que je demande trois. Voilà. Rajouter des exemples finalement. Télécharger le module. Écrire un tout petit script. D'ailleurs, j'en ai reçu un. Écrire un tout petit script et faire un petit site web avec le module et puis voilà, je le linkerai dans le README. Il sera visible de tous et voilà, donc vous apprendrez comment l'utiliser, comment utiliser le système de forkage, de clonage, tout ça. Et en plus, vous aurez un peu de visibilité. Donc PSHTML et après, j'en ai encore un autre, donc Regard Citoyen PS. Ce projet, je le trouve très intéressant. J'ai quelques issues qui sont que je vous invite à regarder. Ils sont assez techniques en fait. C'est pour ça que je les ai pas labellés. Mais je vous invite juste à regarder ce projet, à le télécharger parce qu'il est vachement intéressant. En fait, c'est un projet qui permet de récupérer en fait toutes les données qui sont transmises par notre gouvernement, enfin par le gouvernement français, par l'intermédiaire de leurs différents sites web. Et finalement, il y a des mecs qui ont créé une association qui s'appelle Regard Citoyen, qui vont chercher ces données, les mettre dans des databases et les mettre à disposition dans une API. Et donc moi, j'ai créé un module PowerShell qui va queryer cette API, qui permet d'avoir des trucs. Donc par exemple, là, on a get RC député, qui permet par exemple de retrouver, d'avoir la liste des députés. Donc là, on voit par exemple, on a voilà, nom, ID, machin, donc la date de naissance, tous les trucs. Et donc, ce qui est intéressant aussi, par exemple, c'est qu'on a leur compte Twitter. Donc si un jour on veut faire des messages groupés, genre de choses, c'est possible quoi avec ce truc quoi. Et voilà, bah, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. Et bah, non, en fait finalement, j'ai encore PS Class Utils qui est aussi vraiment très intéressant. Celui-là, je vous conseille vraiment de le télécharger si vous écrivez des classes, parce qu'il permet de générer ce genre de diagrammes qui sont vachement utiles. Et là, j'ai créé le même type de issue que dans PSHTML. Vous pouvez rajouter voilà, créer un exemple de diagramme. Et je le mets alors dans le README. Et en fait, je me suis trompé, c'est pas dans PSHTML qu'on m'a rajouté un truc, c'est bien ici. Voilà, donc c'est LX le chat, hein, toujours lui, ou qui a finalement, je sais pas comment on zoome là, mais voilà, il a créé son truc, il est disponible ici. Et donc voilà, je compte mettre toutes les contributions de la communauté à la fin du README pour que ce soit visible de tous et qu'on puisse voir en fait ce qu'on peut atteindre. Et donc ce qui est intéressant par exemple, c'est que là on a le ça c'est Poshbot, ça c'est un module qui a été entièrement écrit en PowerShell avec des classes PowerShell. Donc là vous voyez, ça permet de générer vraiment un diagramme assez de ouf quoi. Vous voyez en fait le truc que ça génère quoi. Donc voilà. Et donc sur ce module aussi on a quelques issues qui sont ouverts, je vous invite à les regarder. C'est souvent des trucs sur l'aide, la documentation, refactoriser une fonction, la renommer, ce genre de choses quoi. Voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un d'autre parce que j'ai beaucoup parlé. Cool, Sais pas si super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient comme parler de leur projet ou juste en 2 minutes peut-être juste montrer leur projet ou qu'est-ce que ça fait? Sinon je peux montrer les miens aussi.
Peut-être Olivier ou Arnaud, en fait, qui je sais que vous avez des projets. Sinon, ouais, FX, tu peux peut-être commencer Okay. et en attendant. Et puis, ouais, un truc à mentionner aussi, c'est que Stéphane, il montre en fait tous ses issues aussi, mais des fois, vous pouvez aussi faire une contribution sur quelque chose qui n'est pas forcément dans les issues. Donc, ça peut être aussi une faute d'orthographe, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai par exemple eu un pull request juste avant d'un mec d'Inde qui a corrigé des fautes d'orthographe que j'avais fait en anglais, quoi. C'est cool, Donc voilà, ouais, c'est c'est super cool, cool. super cool, quoi. Donc Puis c'est des toutes voilà, je petites l'ai bien aidé. contributions qui coûtent Ouais, c'est pas ça. énormément. Ouais. De mon côté, j'ai pas énormément de trucs. J'ai ADSI, PS qui génère un petit peu d'intérêt. J'ai d'autres projets qui sont encore en privé, mais que je suis sur le point de sortir à un moment donné. Mais ça aussi, ça peut être aussi. J'ai aussi un repo qui s'appelle PowerShell, qui est pas mal connu quand même. Il y a quand même pas mal d'étoiles dessus là, mais puis les gens copient beaucoup. Non, mais vous pouvez aussi faire des contributions dessus si vous trouvez si vous trouvez des alias, si vous trouvez des paramètres qui me manquent, ça peut être aussi bête que ça. Donc c'est ça. Donc je peux peut-être commencer avec ADSI pendant 2 minutes. Donc ADSI en fait, avant que j'aille trop loin. ADSI c'est juste en fait c'est un peu l'équivalent de Active Directory Module. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, mais moi j'ai eu des scénarios où je pouvais pas avoir le module Active Directory sur mes machines pour différentes raisons. Donc c'est pour ça que j'avais commencé à créer des petites commandelettes en ADSI, puis après c'est devenu un module, puis les gens ont beaucoup aimé, puis il y a des gens qui commençaient à me mettre des issues ou à contribuer. Donc j'ai identifié quelques issues qui existaient déjà, mais je les ai identifiées avec le tag Oktoberfest, comme Stéphane fait. Je regardais juste s'il y avait toujours d'autres questions. Donc c'est ça, moi il y a des petites... Vous pouvez juste venir ici, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est surtout par exemple des nouvelles fonctionnalités que j'aimerais rajouter, où il y a des choses que je connais pas forcément encore. Comme par exemple, je sais que dans AD, on peut faire des requêtes en ADSI, mais on peut aussi en faire directement en LDAP pur. Donc c'est des choses que je connais pas, mais peut-être que quelqu'un va venir ici, puis il y a peut-être les connaissances pour le faire. Donc il pourrait améliorer mon code et rendre plus rapide. Donc ça, il y a quelques idées ici. On peut regarder les autres projets. Donc j'ai mon dossier PowerShell qui contient en fait plein de fonctionnalités. Donc ça c'est pas vraiment un projet en tant que tel, c'est comme vraiment utilisé comme un dépôt pur. Donc, en fait je mets vraiment des scripts que j'ai utilisés en fait avec le temps, que je mets ici, puis il y en a un paquet. Et donc vous pouvez venir ici, et puis par exemple si vous regardez un fichier ici qui me permet de créer un nouveau fichier djoin par exemple, puis si vous regardez le code et vous réalisez, ah ben il a pas spécifié le paramètre, bon là il est là, mais en fait, vous pourriez le remettre, ou alors si j'utilise un alias, ou par exemple ici j'utilise $error 0, donc là je retourne même pas une erreur, je retourne à la page je devrais plutôt utiliser autre chose comme peut-être write error, ou peut-être je devrais utiliser ps commandlet, enfin il y a une méthode spéciale. Enfin bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire là. Il y a vraiment plein plein de façons de contribuer. Est-ce que quelqu'un a une question? J'entends le micro qui Ah, Ah c'est non, parce que je c'est saute là. probablement chez Ok, moi, je ouais. voulais juste Probablement être chez moi. certain. Non, non, non. Il y a ça. J'ai pas vraiment. Enfin, j'ai pas mal de repos. Je suis assez ouvert. J'ai pas eu le temps forcément d'identifier des problèmes partout. Donc là, on voit tous mes repos, mais je peux les trier par source pour voir les repos qui viennent vraiment de moi. Ça, je préparais aussi un module de custom rules, mais je l'ai pas pr préparé, pas publié encore. J'ai les modules aussi de MVP et de Meetup. Donc c'est d'autres choses que j'ai identifiées. Je peux peut-être en parler très vite fait. Donc ça va vraiment toucher juste certaines catégories de gens, mais bon, même si ça vous touche pas, il y a rien qui vous empêche de regarder le code. En fait, Meetup PS,
C'est juste donc en fait quand vous vous inscrivez sur notre meetup, sur le site de meetup.com pour aller à un événement ou assister à un événement, un web service qui existe pour ce site-là. Donc tout ce que j'ai fait, c'est j'ai juste créé un module PowerShell qui permet de directement créer des meetings ou alors de retrouver des meetings qu'on a créés dans le passé par exemple. Donc la même chose ici, il me semble que j'avais identifier quelques trucs avec Oktoberfest. Donc par exemple rajouter des fonctions qui vont retrouver les photos de chaque événement, rajouter des images. Donc aussi simple que ça. Ou alors mettre à jour ma documentation parce que bon, c'est peut-être pas génial, j'ai pas mis énormément d'exemples, donc ça peut être aussi une autre chose. Et puis finalement le dernier module que j'ai ici, c'est le module MVP. Puis encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour une certaine catégorie de gens. Donc, par exemple, on a ce mode. En fait, pour les gens qui sont MVP et qui sont Microsoft MVP, en fait, tous les ans ou au long de l'année, on doit mettre nos contributions dans un site. Et ce site-là, c'est très. Enfin, ça prend beaucoup de temps à mettre tout ça manuellement. Donc, récemment ou l'année dernière environ, ils ont créé un web service pour ce site-là. Donc, en fait, j'ai juste créé un module PowerShell qui permet de dialoguer en fait avec ce service-là. Donc pareil ici, j'ai dû identifier quelques-unes, il me semble, oui. Donc c'est ça. Rien d'exceptionnel. Non, voilà, je vais laisser la parole parce que bon, le but c'était aussi que je laisse la parole à d'autres personnes. À moins s'il n'y a pas d'autres, s'il y a des gens qui veulent Ouais, présenter quelque j'ai pas chose. l'impression qu'il y a d'autres personnes qui se sont manifestées ou peut-être que. Moi, je peux vous parler brièvement de mon projet, enfin de ma repo, EasyLog, si ça vous intéresse. Cool. Par contre, je vais peut-être pas partager mon écran parce que je sais pas trop comment on fait, mais Ok. François, si tu veux Ah ouais, pas bien de problème. aller sur ma repo, comme ça, ça. Donc, le site de ma repository, c'est github.com/apetitjean/EasyLog, EZLog, en fait. Ah, petit Jean. C'est moi qui partage là. Vous voyez mon Voilà, écran là, non? Ouais. donc Ok. c'est moi. Donc voilà, donc j'ai quelques repositories, mais le mien en particulier, c'est EZLog. Donc c'est un petit jeu de mots qui veut dire easy pour facile, log pour créer des fichiers de log, en fait, tout simplement. Donc j'avais créé ce module pour un besoin de tous les jours. Et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne le publierais pas dans la PowerShell Gallery? Et donc je me suis dit, bah, c'est le moment d'essayer. Et puis donc pour la PowerShell Gallery, on a la possibilité d'indiquer un lien vers la repository GitHub. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des tests automatisés qui sont joués par un environnement de build comme Jenkins, mais à Bayor. Parfois que je commit dans mon projet EasyLog, et bien en fait, AppVayor détecte le commit, il va jouer des tests automatisés, et les tests automatisés et que j'ai tagué mon commit, et bien automatiquement, c'est poussé dans la PowerShell du log, la nouvelle version. Alors, je vais vous montrer ce que fait le module EasyLog. Alors, tout simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il permet très facilement des fichiers de log au format texte. Alors, il n'y a pas vraiment de fioritures, c'est très simple. Le but, c'est d'avoir des fichiers de log bien structurés avec 4 lignes en tête. Voilà, donc. Si tu descends un petit peu plus bas et fixe, on verra une copie d'écran d'un fichier EasyLog tel qu'il est structuré. Enfin, d'un fichier de log. Donc, en fait, un fichier de log, voilà, il est composé d'une ligne en tête. Voilà, donc on la voit apparaître avec du script et son chemin complet. Le script qui a généré ce fichier de log. Donc, comme ça, on connaît la provenance. Du fichier de log. On a la date et l'heure de la génération.
On a le nom du compte utilisateur qui a généré ce fichier de log, le nom également. Voilà, et tout ça, en fait, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper de cette entête. Cette entête est générée automatiquement. Dans votre code, vous utilisez le module EasyLog. Vous avez juste besoin d'écrire write EasyLog-header. Et en fait, ça va écrire automatiquement le header. Voilà. On a la même fonctionnalité pour le footer, donc le pied de page du fichier de log. Donc là, on le voit bien sur la copie d'écran. Donc, on a un paramètre qui s'appelle footer. Donc, on a writeEasyLog-footer et automatiquement, ça va écrire ces quelques lignes à la fin. Et l'intérêt, c'est que au moment de l'écriture du footer, le module EasyLog va regarder l'heure de début du script qui a été mis dans le header et ça va calculer la différence de temps qui s'est écoulée. Donc, comme ça, c'est très pratique quand on a des tâches planifiées qui lancent des scripts. On ne sait jamais trop combien de temps ça prend. Et bien, si vous utilisez le module EasyLog, vous savez tout de suite combien de temps ça a pris. Vous avez le temps exprimé en secondes et en minutes. L'autre intérêt, c'est que voilà, c'est très simple d'écrire des logs. Donc, on passe en paramètre si on veut un fichier de log, enfin un log d'information, un log de warning ou un log d'erreur. Et on a la possibilité, donc si on le souhaite, d'afficher également les logs dans la console. Voilà, c'est pas une obligation, c'est facultatif. Et lorsqu'on le fait, les messages d'information apparaissent en couleur cyan, donc couleur normale, on va dire. Les messages de warning en couleur jaune et les messages d'erreur en couleur rouge. Voilà, donc c'est un module relativement simple. Voilà, il n'a pas beaucoup de fioritures, mais c'est simple et efficace. Et dans la dernière release que j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, c'était implémenter une rotation de log. Parce que j'utilisais ce module EasyLog depuis plusieurs années et puis sans jamais vraiment supprimer les logs. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec certains répertoires qui contenaient plusieurs milliers de fichiers de log. Donc j'ai implémenté une fonction de rotation de log qui s'appelle invoke-easylogrotation. Et donc, grâce à cette fonction, eh bien, on peut indiquer le nombre de logs que l'on veut garder, ou alors on peut dire si on veut garder que les logs du jour, les logs de la semaine, du mois ou de l'année. Et l'intérêt aussi de cette fonction, c'est qu'elle n'est pas spécifique à mes fichiers de log générés avec EasyLog. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel type de fichier. Voilà, donc il va se baser sur les dates et vous lui passez un pattern en entrée pour qu'il filtre sur les fichiers de log. Voilà, et la dernière fonction de ce module, c'est une fonction qui s'appelle convert from EasyLog, qui permet de parser un fichier de log au format texte et retourner un tableau d'objets. Comme ça, de cette manière, vous pouvez facilement récupérer les derniers logs par rapport à une date ou tous ceux d'un type en particulier, ou aller extraire facilement la date de début ou le temps écoulé, enfin le temps total de l'exécution d'un script, sans aller parser vous-même avec des expressions régulières le fichier de log. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. Si voilà, là dans les issues, effectivement, j'ai deux propositions d'amélioration qui ont été faites gentiment par FX, François-Xavier, donc notre hôte. Et j'ai aussi reçu un pull request qu'il faut que je regarde. J'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper. Donc c'est une personne dans le pull request qui me propose d'améliorer mes headers et mes footers pour les personnaliser davantage. Voilà. Et donc ce module EasyLog, il est également dans la PowerShell Gallery, donc vous pouvez l'installer facilement en faisant install-module EasyLog, EZLog. Voilà, je ne Super. sais pas si vous avez des questions. Ouais, c'est intéressant. Parfait, non? Moi, j'ai une toute petite question. En fait, est-ce qu'il y a t'as d'autres projets en fait par rapport à, enfin, d'autres projets par rapport à ce module? Est-ce que tu dis, ben, j'aimerais bien avoir
cette fonctionnalité dedans que tu as pas par exemple maintenant. Alors effectivement, une fonctionnalité que j'aimerais ajouter, c'est la possibilité d'envoyer les logs dans Azure directement, plutôt que de les avoir au format texte tels qu'ils sont aujourd'hui. Alors dans Azure, je me souviens plus comment, dans Log Analytics en fait. Ça serait une autre possibilité, ou alors enfin, pouvoir générer des logs d'autre manière plutôt que d'envoyer ça dans un fichier texte, les envoyer peut-être dans une base de données ou autre. Enfin, il y a plein de façons de. Enfin, je pense que bon, des fichiers, des modules de logs, je suis pas le seul à en avoir fait, hein, il y en a plein d'autres. L'idée de départ, c'était ça répondait à mon besoin. Et je me suis dit, ben, comme ça répond à mon besoin, il y a certainement d'autres personnes qui seront intéressées. Et voilà, il a reçu pas mal de téléchargements sur la. On le voit dans la PowerShell Gallery, on a des statistiques. Je dois pas être loin d'un millier de downloads. Ah ouais, c'est vachement bien. Super, nice. Moi, j'en ai pas autant, moi. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voudraient présenter? Je sais qu'Olivier, j'avais vu qu'il voulait présenter quelque chose. S'il est prêt. N'y a peut-être pas de micro. Je sais pas. Olivier, est-ce que t'es là? Simon, en attendant, est-ce qu'il y a d'autres... Ah, il est là, je Il est pense. probablement allé au bar. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend là. Oui. Ah bah non, alors non, je ne suis pas encore au bar. Moi, en fait, ce que j'ai à présenter assez rapidement, alors, je sais pas comment on partage l'écran. Je crois que c'est par là. Pardon. Oui, attends, je vais te mettre présenteur. Voilà. Donc, hop, vous voyez mon écran? Hop. Pas encore. Il est toujours il est en tant que guest hein, dans le. Olivier, non, je l'ai mis présenteur. Ouais, mais je suis toujours guest. Ouais, c'est marqué guest là dans le dans les listes des présentateurs en haut, hein, je sais pas. Est-ce que vous voyez mon écran, cette fois? Non, pas encore. Non. Tu peux D'accord. réessayer. Ah voilà, c'est bon, il est Ah en voilà, train ça charge. de le lancer. La première chose que je vais présenter, c'est, je m'en souvenais pas, en fait, en parlant de GitHub, ben, j'ai parcouru, en fait, mes repos, et j'ai trouvé ce magnifique petit module qui avait été fait à l'origine en 2016. Alors l'histoire de ce module, c'est qu'il a participé à la diffusion de Game of Thrones et de Walking Dead sur tablette, je crois. Il s'agit d'un module en fait qui permet de gérer le smooth streaming sur i2s. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, i2s a un module qui permet de gérer du streaming vidéo en direct vers différents devices. Notamment vers du Silverlight et d'autres choses. Et moi, j'étais dans l'obligation de pouvoir créer des flux sur une cinquantaine de machines à la demande, donc impossible bien sûr de les faire à la main, et c'est pourquoi j'ai fait ce module. Alors, ce module est un peu vieux, j'en suis pas fier, j'avoue. Il marche, par contre. Et c'est peut-être assez principal, mais il mériterait quand même d'être un tout petit peu modifié. Donc, je vais créer quelques issues pour justement permettre à d'autres, s'ils le veulent bien, de travailler dessus. J'avais un autre module en fait sur lequel je travaillais, mais je me suis fait taper sur les doigts par ma direction. C'était un module qui me permettait de gérer, de mettre à jour les signatures sur Office 365 et de le loguer. Mais visiblement, j'ai pas vraiment le droit, donc du coup, je vais avoir quelques soucis. Comme Nicolas le sait déjà, je vais travailler sur une nouvelle version d'un module qui va traiter les appliances Sophos,
IGG et SG, avec cette fois des classes, avec des objets, puisqu'en fait, les objets réseau, ben, ça se ressemble à des objets, puisqu'ils ont des propriétés communes, des méthodes communes, UPDATE, ADD, DELETE. Mais en fait, on peut faire pas mal d'héritage, ce qui peut simplifier grandement et faciliter grandement la création de ce module et d'aller beaucoup plus vite. Donc là, je suis en train de préparer en fait le repo pour qu'on puisse y travailler. Et enfin, j'ai un autre module. Je sais pas si vous savez, mais quand vous êtes dans une plateforme cloud, que ce soit Azure, Google ou AWS, quand vous avez une VM, vous avez automatiquement accès à des metadata. Ces metadata, ça peut être comme sur Azure, le ressource groupe ou le réseau virtuel ou l'IP public. C'est à peu près la même chose en fait sur les trois grosses plateformes de cloud public. Je vais faire juste un module qui permet de pouvoir en fait broser ces métadatas et suivant la plateforme sur laquelle vous êtes, obtenir en fait les informations dont vous avez besoin. C'est un peu un module complexe, parce qu'en fait il va falloir déterminer où est-ce qu'on est, etc., etc. Mais c'est relativement sympa. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça soit en place pour avant la fin octobre. Pour que ça soit en fait disponible pour tout le monde. Enfin, je prépare en fait un handbook pour un workshop sur Pester bientôt, qui va se dérouler dans pas longtemps. Et ce handbook sera aussi en open source, donc et en français. Vous serez aussi amené en fait, je vais inviter tout le monde à pouvoir le lire et le modifier le cas échéant, si vous le souhaitez. Super ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Super, Olivier, merci. Derrière. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous... Bah, en fait, LX le chat proposait de parler d'un module qu'il a fait qui s'appelle Invoke Charts. Par contre, il n'a pas de micro, donc je vais partager mon écran. Ah bah attends, j'allais l'ouvrir le truc. Attends, je vais l'ouvrir. Ah. Deux. Je l'ai ouvert, je sais pas si... Oh non, tu l'as pris? Ok. Ça va l'autre. Ben, je sais pas exactement ce que ça fait. On peut juste regarder pendant 2 minutes, j'imagine. Vas-y, vas-y. Basic charting function for PowerShell, create PNG file you provide. Ok. Donc, bon, apparemment, c'est difficile de faire une présentation à l'écrit. Mais ouais, apparemment ça permet de générer des graphes. Donc moi Ah, c'est cool. perso ça, enfin je trouve les graphes vachement sexy là. Après il faut voir l'utilité. Je sais que Beauprox il en avait écrit un aussi, un module comme ça que je trouvais un peu complexe en fait par rapport à comment il fallait l'utiliser. Donc moi c'est sûr je vais regarder un petit peu comment il marche celui-là. Donc C'est cool. Ouais. Cool, mais c'est cool. Alex, le chat. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez présenter? Sinon, ce que je vais faire, je vais conclure ici, puis je peux rester un peu dans le meeting pour répondre à des questions. Je sais pas si Stéphane, tu peux rester aussi. Ouais, je vais rester un petit peu. Mais je vais juste mentionner vite fait d'autres avantages qu'il y a en fait à avoir un dépôt pour votre code. Donc, en fait, le gros avantage de pouvoir centraliser tout votre code à un seul endroit, donc sur un dépôt de GitHub, donc c'est d'avoir votre code évidemment, mais c'est aussi d'avoir votre documentation en Markdown. C'est aussi d'avoir vos tests, vos automatisations de build. Donc c'est un peu comme on a vu tout à l'heure avec Arnaud qui fait des tests automatisés, qui utilise AppVeyor en fait pour rouler des choses. Et en fait, on peut aussi publier automatiquement notre code là où on veut, en fait, sur la PowerShell Gallery, sur Azure, un peu n'importe où. En fait, je peux vous montrer vite fait avant de continuer là-dessus. Mais si vous cherchez GitHub Marketplace,
Il y a pas mal d'intégrations qui existent en fait avec GitHub. Mais en fait, à chaque fois que vous allez faire un commit sur votre code, ou à chaque fois que quelqu'un va créer un pull request sur votre repository, sur votre dépôt, en fait, il y a du code, il y a des tests automatiques qui peuvent rouler pour vous. Donc, par exemple, si Stéphane fait une contribution sur un de mes projets et qui fait un pull request, je pourrais définir du code qui va rouler automatiquement contre ses modifications, contre sa copie modifiée, pour vérifier que mes tests se terminent avec succès. Donc c'est ça, GitHub Marketplace, puis ça, il y a un tas d'intégrations. Il y a intégration évidemment avec Azure DevOps, parce que GitHub vient d'être acheté par Microsoft. J'imagine tout le monde est au courant. Mais c'est ça, les choses les plus connues qui sont utilisées en tout cas avec les gens que je côtoie dans la communauté PowerShell, c'est surtout AppVeyor en fait, qui permet de rouler des choses automatisées pour vous. Ou alors Travis aussi, qui est pas mal utilisé. En fait, ils font à peu près la même chose. Donc là, si on fait Continuous Integration, donc ils pourraient rouler mes tests. Ah, excusez-moi, il y a un chien. Donc c'est ça. Puis la dernière chose que je voulais mentionner. Donc c'était au niveau de la documentation que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc vous pouvez écrire votre documentation en Markdown et puis générer votre doc automatiquement. Donc, je vais vous montrer un truc qui s'appelle Read the Doc. Alors, Read the Doc. On va essayer de trouver un exemple rapide. Donc en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est générer votre code. J'essaie de trouver un bon exemple qui pourrait fonctionner pour moi. On va juste aller sur le site. Mais en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est écrire vos fichiers, votre documentation en Markdown, donc cette façon relativement simplifiée, définir votre structure, définir votre structure, en fait la structure de votre documentation, et puis en fait, ça va vous générer une page automatiquement pour vous. Bon, là-dedans, ah, ici. Donc ça va vous générer une page comme ça, malgré que toute votre documentation est gérée dans GitHub. Donc ça, c'est un autre exemple. Je ne vais pas aller trop en profondeur, mais d'autres choses que vous pouvez faire. Le prochain exemple que j'ai, c'est Git Pitch. Donc en fait, ici, vous voyez, j'ai utilisé PowerPoint pour faire une petite présentation. Mais dans le domaine de GitHub, il y a aussi un outil qui s'appelle Git Pitch, qui permet de créer nos présentations en Markdown. Donc je vais vous montrer un exemple. On va chercher vite fait. Donc là, j'ai un Git Pitch en 60 secondes qui en fait explique comment ça fonctionne. En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est créer vos slides de façon suivante. Ouais, vous avez le nom de la slide, le contenu de la slide. Et puis, en fait, vous sauvegardez votre fichier dans pitch.md. Puis à partir de ça va vous générer une présentation. Je pense que ça doit être sûrement en HTML5. Je ne sais pas exactement c'est quoi le format en arrière. Bah, MD, ça génère du HTML hein, dans après. Hein. Ouais, mais je pense que ça utilise une autre technologie parce que tu peux cliquer sur gauche, droite. Donc ouais, c'est sûrement du HTML5 comme tu dis là. C'est du CSS quoi, Ouais. j'imagine, non? Donc ça, en fait, ça vous permet d'avoir tout à un seul endroit. Donc vous pouvez même avoir des gens qui contribuent sur votre présentation. Ou alors si quelqu'un. Si par exemple moi je veux présenter le projet de Stéphane, je sais pas, dans un autre groupe d'utilisateurs, je peux aller utiliser par exemple si dans le cas il aurait créé un Git Pitch, je pourrais juste réutiliser son fichier qui contiendrait tous les exemples par exemple. Donc c'est pas mal cool. Hein. Et puis le dernier exemple c'est un truc que j'ai intégré en fait sur mon site. Il est déjà ouvert il me semble. C'est que en fait quand vous allez sur mon blog, mon blog est hosté sur GitHub. Donc là, si je vais sur mon GitHub à moi, j'ai un repo qui s'appelle. Allez, réveille-toi. J'ai ici lazywinadmin.github.io. En fait, c'est mon blog est hosté sur GitHub. Et donc à partir de ça, quand je vais, donc en fait, je peux vous montrer vite fait à quoi ça ressemble au niveau Markdown. Donc là j'ai mes posts, là 2018, puis là en fait j'ai un, j'ai, par exemple on peut prendre le dernier qui était Oktoberfest,
Et en fait, c'est un fichier Markdown qui contient en fait tout mon contenu. Donc là, si je fais un edit dessus, c'est vraiment un fichier tout simple, quoi. Il y a un header qui contient l'information et puis en fait le contenu par la suite. Et en fait, le truc que j'ai fait récemment, c'est que quand vous allez sur mon blog, j'ai rajouté un petit icône ici, GitHub. Donc si par exemple vous trouvez une faute dans un de mes posts, en fait dans un article, vous pouvez cliquer ici directement. Ça va vous amener directement sur la page dans GitHub. Donc à partir d'ici, vous pouvez faire juste un edit, puis corriger la faute et faire save, enfin sauvegarder, et puis faire un pull request, comme on a fait quand on vous a montré jusqu'à maintenant. Puis en fait, moi, je peux juste accepter votre demande de changement. Voilà. Je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais. Ouais, c'était ma dernière slide. Donc c'était la première fois qu'on fait un Oktoberfest. On savait pas exactement comment le moduler, mais j'espère que ça vous a plu et puis que vous avez au moins appris une ou deux choses ou découvert au moins peut-être un projet qui vous intéresse. Donc je vous encourage à aller dans la communauté et puis contribuer, faire des pull requests. C'est ça, Stéphane, je sais pas si t'as des choses à rajouter. Ouais, non, ou de créer vos propres projets, hein, Ouais, ou peut-être que justement, donc moi aussi ce que je voulais souligner, c'est que donc déjà je trouve ça super en fait que ben, toute la communauté que nous sommes, là donc la communauté française de PowerShell, depuis qu'il y a la Oktoberfest, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gain de vitesse en fait dans la motivation des gens, dans l'implication des gens sur les différents repositories. Enfin, je le vois surtout sur les miens. Et moi, j'ai reçu plein de pull requests qui sont venus de tous les côtés et je m'attendais vraiment pas à une telle participation. Donc déjà de ce côté-là, j'aimerais dire merci et voilà, je veux dire aussi que bah, je suis très content en fait qu'on commence un peu à travailler non plus individuellement mais un peu ensemble quoi. Donc ça, je trouve ça bien. J'imagine que ceux qui ont déjà participé en fait, ils ont réalisé que en participant en fait sur un projet open source, non seulement donc ils aident en fait plus ou moins on va dire une bonne cause, mais en plus on y gagne parce qu'on apprend des choses en fait hein, finalement. C'est que souvent on part un peu dans un thème un peu inconnu. C'est pour ça que moi je crée des issues en fait. Ça vous permet aussi à vous de rentrer dans un thème. Ok, ben ça m'intéresse. Par exemple, le cas de la création des codes snippets. De VS Code. Peut-être que vous n'en avez pas forcément l'utilité, mais peut-être que vous êtes curieux, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous savez pas le faire, c'est pas grave. Vous pouvez toujours aller dans l'issue, dire, écoutez, moi ça m'intéresse, j'aimerais le faire. Je répondrai bien sûr, ok, fais-le. Et donc souvent je rajoute un ou deux liens d'aide. Et voilà. Et donc en fait, quand il y a des questions ou des doutes, il faut pas hésiter à en parler. Donc moi, j'ai reçu beaucoup de questions aussi en privé sur Slack. Concernant bah, les différents modules, donc ah ouais quand je fais ça j'ai un bug et tout machin, donc en fait on a vraiment longtemps chatté et voilà donc participer en fait finalement sur des projets c'est pas genre juste oh, j'écris du code dans mon coin et après je fais un pull request, non il y a vraiment tout un processus d'échange et il faut pas hésiter à venir poser les questions donc dans le Slack en public, hein, et donc si il y en a plein qui venaient aussi en privé, il n'y a pas de souci, je réponds toujours, et voilà, et donc voilà, donc finalement le point que je voulais faire, c'est que vous y gagnez vraiment à participer à des projets open source, parce qu'au final, vous y apprendrez quelque chose, quoi. Et puis en Par fait, exemple. ça permet de rencontrer des gens aussi. Ouais, Et aussi, puis aussi, mais. il y a des conférences, on ne sait jamais qui tu vas croiser. Vous allez peut-être vous rencontrer, devenir des potes. Ça Ouais, permet de c'est faire ça, des ouais. amis aussi. Aussi. Mais donc aussi, par exemple, ça peut vous pousser, en fait, aussi, par exemple, à apprendre une techno. Par exemple, on a des projets où il n'y a pas de test-pester. Donc, j'en citerai pas. Mais j'en connais un qui commence par A et qui se termine par DSIPS, par exemple. Il y en a Hein? quelques-uns, il y en a quelques-uns, mais c'est pas rare. Ouais. Attends, à chaque fois, je les ai pas vus. Mais en fait, il y en a vraiment beaucoup là à faire là. Donc j'ai créé un issue aussi vite fait à l'arrache. Mais donc par exemple ça pourrait être un tremplin pour vous qui êtes motivés, qui connaissent pas encore Pester.
de plonger dans l'eau froide et de l'apprendre. Finalement, vous écrivez un test pour une fonction, un second test pour une deuxième fonction. Vous savez pas comment faire, c'est pas grave. Vous demandez, on vous fournit des liens, on vous fournit le guidage ou les sources pour pouvoir réussir. Et puis on est là aussi en soutien, quoi. Donc on fait partie de la même communauté. Et nous, notre objectif aussi final, c'est que vous réussissiez quand même, quoi. Et après, finalement, le gain pour vous, c'est que vous apprenez une nouvelle compétence que vous pouvez utiliser aussi en entreprise par après, quoi. Ou chez vous, en famille, le dimanche. Ok, parfait. Est-ce qu'il y avait des questions? Ou est-ce que ça vous a plu? Si on fait ça peut-être sûrement l'année prochaine. On peut créer aussi des groupes pour ce mois-ci, s'il y a des gens qui veulent travailler en groupe sur des projets ou avoir des pairs pour faire des tests, par exemple, comme Stéphane mentionnait. Vous pouvez, n'hésitez pas à venir sur le chat French, puis si vous voulez, on peut faire des duos et tout, puis qu'on commence à travailler sur des choses ensemble. C'est par exemple le truc de VS Code, là, sur VS Code, on peut travailler ensemble sur du code. Ça peut être des choses comme ça aussi, hein. Moi, je trouve ça intéressant. Merci beaucoup. Cool. Bon, je suis content. Si ça vous a plu, c'est le principal. Parfait. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à venir sur le chat si vous avez des questions. Merci à tous. Un plus. Bonne soirée. Merci Bonne journée. beaucoup. Bonne soirée à tous.